Bon, finalement, c'était simple comme un César, tout ça. Simple comme César, je sais pas, j'étais tellement surprise face à des grands noms du cinéma. Je suis un peu surprise. C'est émouvant pour vous, justement, le cinéma français reconnaisse votre talent, votre folie, votre joie, votre... Mais moi, j'ai grandi avec le cinéma français. C'est comme ça que j'ai appris à aimer le cinéma. C'est ce qui me fascinait. Je ne parlais pas anglais. Je venais d'une petite ville au Québec. Puis, donc, évidemment, j'ai été bercée par ça. Tous les films que j'ai vus m'ont ouvert mon univers cinématographique et mon envie d'en faire. C'est très joli ce que vous avez dit. La vie que vous vivez là est finalement plus belle que celle dont vous aviez rêvé. Oui, c'est quelque chose que j'ai pensé cet automne, quand le film est sorti et tout. Puis je l'avais dit à Magali Lépine-Blondeau, l'actrice de mon film. Puis c'est ce que je ressens. C'est que j'avais même pas imaginé que ça serait aussi beau. Ouais. Vos acteurs étaient là ce soir. C'est aussi émouvant de les avoir auprès de vous pour avoir ce César. C'est formidable, c'est fabuleux. Puis j'ai oublié de les remercier sur scène. Je trouve ça horrible. Et ben c'est le moment ici. Oui, je les remercie parce que ce couple-là, il est fabuleux. Magali Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Je suis très heureuse d'avoir fait ce film avec eux. Merci beaucoup. Merci. Et bravo encore. Merci. Merci.